demandé si t'avais peur de l'eau quand je t'ai embauché, mais quel con que je fais! Peut-être parce que c'est pour un truc qui se demande à un maître nageur. Bon, tu mets ton masque et tes palmes et tu sautes. Ah non, pas les palmes, je t'en supplie, je suis claustro des pieds. Je viens de voir parce que j'ai peur d'être en face d'un gros malentendu. J'espère que c'est pas moi le gros malentendu. Ce matin, félicitations, hein, ta cote de popularité auprès des clients a vachement progressé. Sérieux? Mmh. Ouais, on est passé de la simple injure aux menaces de mort. Ah d'accord. Tiens, va poser tes affaires sur le banc, Timothée. Tu vas voir que ton premier cours de tir à l'arc, c'est quelque chose, touche pas à ça. Touche pas à ça, petite merde, ou je t'égorge comme un goré. Et surtout, tu reviens tout de suite. Tu reviens. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je vide la piscine. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, il y avait une mouche morte dedans. Bah, je sais pas si elle était morte, mais en tout cas, c'est chiant, puis ça fait craindre, surtout. Mais pourquoi tu prends pas une épuisette? Ça te prend simplement une seconde. Ah, tu sais, moi, la pêche, ça a jamais été mon truc. Dis-moi, ça veut dire quoi, help en anglais? Bah, au secours, pourquoi? D'accord, c'est bien ce que je pensais, elle m'appelait au secours la vieille tout à l'heure. Et shark, ça veut dire quoi? Requin. Waouh! J'ai bien fait de pas y aller, moi. Vas-y, accouche, c'est ce qu'il avait dans son string. Un sexe énorme. Oh, énorme, ça veut rien dire. Ça, c'est bien la réponse d'une fille qu'on n'a jamais vue. Oh, tu sais, celui d'Ino, il est pas mal, hein? Alors un jour, faudra que tu connaisses la différence entre pas mal et énorme, tu verras, ça change tout. T'as raison, j'en parlais avec Nino. Ah, c'est... Eh vas-y, Molo, il a que 6 ans quand même. Un match, c'est un match. 15-0. Vas-y, mets-toi là. Attention, le soleil. Ah, vous êtes animateur? Oui. Voilà, je cherche un transat pour ma femme qui est enceinte. Vous savez pas où je peux en trouver, hein? Alors là, aucune idée, hein. Deux menus oiseaux. C'est bien comme ça, dans une semaine, vous volez. Je t'avais pas interdit de resto, toi? Non. Bon, mais maintenant, c'est fait. Attends, c'est pas de ma faute. On discute pas, les deux tâches. En bouchon cul et en cadence. Allez. Je veux toute l'équipe au grand complet dans mon bureau dans 10 minutes. Pourquoi faire? Juste pour faire chier. C'est comme ça que tu fêtes nos 5 ans dans une cantine avec une déco de merde et un plateau pourri? Je vous rappelle qu'ils nous ont gagné 4 fois en 4 matchs. Mais les 4 fois, j'étais pas là. Et maintenant, je suis là. Et quand je suis là... Tu gonfles tout le monde, on sait. Et je voulais vous féliciter parce que votre fils, il est pas en retard. Je vais me plaindre. Ouais, bah c'est ça, tiens, va te plaindre. De toute façon, tu remettras plus les pieds dans mon cours.